Bonjour, nous allons continuer notre tour des pronoms relatifs français. Nous avons « dont ». « Dont » s'en peut à la fois pour des personnes et pour des choses. Il peut être complément du nom, complément de l'adjectif, complément du verbe avec la préposition « de ». Par exemple, « La maison dont les rideaux sont roses est celle de mes grands-parents. » Dans des discours formels, l'ordre des mots peut être « dont » plus « verbe » plus « sujet » si le sujet n'est pas un pronom. Par exemple, le roman dont a parlé François est fascinant. Attention, ça ne marche pas toujours. On peut aussi utiliser « dont » pour énumérer une partie d'un tout. Mais attention, il n'y a pas de verbe dans ce cas-ci, donc ce n'est pas tout à fait un pronom relatif. Par exemple, « je suis plusieurs cours de langue, dont un cours de russe ». Ensuite, nous avons « où ». « Où » peut être complément de lieu. Par exemple, « j'habite dans une région où il fait toujours beau ». Il peut être aussi complément de lieu origine, et dans ce cas-ci, on utilisera « d'où ». Par exemple, « la ville d'où je viens est très ancienne ». Et enfin, il peut être complément de temps. Par exemple, « je l'ai quitté le jour où il m'a trompé ». Notez qu'on n'utilise jamais « quand » en français pour ça. Enfin, nous avons « ce qui », « ce que », « ce dont » ou « ce » plus préposition plus quoi. Il s'emploie lorsque l'antécédent est implicite, lorsque l'antécédent est tout, ou lorsque l'antécédent est une proposition entière. Ce qui est sujet, par exemple, ce qui me vexe, c'est qu'elle a pris cette décision sans me consulter. Ce que est complément d'objet direct, par exemple, fais ce que tu veux. Ce dont est complément avec la préposition de, par exemple, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'amour. Ce plus préposition plus quoi est complément circonstanciel, sa fonction dépend de la préposition. Par exemple, il a fait beaucoup de recherches pour cet exposé, ce à quoi je ne m'attendais pas. Bon travail, au revoir.